Bonjour, moi, mon nom c'est Carl Brunet. Voici ma voiture la plus rapide au monde et bienvenue à Napierville-Lauragais. Ben nous, en fait, on a la piste de course depuis... mon père, il a la piste de course depuis 1984. Ça fait 32 ans. Mais en fait, moi, j'ai la voiture de course, la 4 cylindres, la plus rapide au monde depuis 2011. On a commencé à courser avec une voiture rapide traction arrière 4 cylindres en 2011. Quand on dit au monde qu'on est les plus rapides au monde, quand on leur dit qu'on fait des courses, il y en a qui disent « Ah, c'est le fun ». Tant que, comme on peut dire, tant que la personne ne nous a pas vu courser, tant qu'elle n'est pas venue vraiment avec nous autres à des vraies compétitions de course, des fois, on n'est pas sûr qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça l'implique. Mais le monde, quand ils viennent aux courses avec nous autres, on emmène des amis, des nouveaux amis. Quand ils voient vraiment tout ce que ça implique d'aller aux courses aux États-Unis, que ça c'est ici au Québec, quand on est avec la compétition, le monde aime vraiment ça, puis ils sont vraiment étonnés de surtout qu'on soit les plus rapides au monde, des petits Québécois. J'ai cru remarquer aussi à quelques reprises, je suis venu visiter la piste, puis c'est pas nécessairement ceux qui font des courses professionnelles qui embarquent. Il y a souvent des soirées où c'est open drag race. Oui, j'ai parlé des grosses compétitions. Ouais. Également, oui, tu fais bien d'en parler. On a toujours les voitures de rue. N'importe qui veut venir avec, venir s'amuser, on descend la piste. C'est n'importe qui veut venir avec la voiture de rue de tous les jours, avec une moto de tous les jours. Donner la piqûre aux gens, c'est vraiment ça le meilleur remède, si on veut. Ouais. Tu viens t'essayer sur la piste n'importe quand, c'est seulement 5 ou 10 $, ça dépend des journées. Et puis autant de courses que tu veux dans une soirée, tu t'amuses. Puis on est sûr de ne pas se faire écœurer par la police, comme on dit. Fait que c'est les pistes de course, c'est fait pour ça. Puis on est bien content d'en posséder une. Toujours plus intelligent que d'aller faire ça sur un rang en arrière. Oui.
On va plonger un petit peu plus dans le drag maintenant. À qui vraiment cette discipline-là va s'adresser? Qu'est-ce que ça prend pour avoir la drive, si tu me permets l'expression, là, de vouloir toujours gagner puis d'avoir du succès aussi? Là. Qu'est-ce que ça prend? C'est sûr que ça prend. Qu'est-ce que ça prend? Il faut vraiment que tu aimes ça. Ouais. Mais vraiment, la drag, ça s'adresse vraiment à toutes sortes de gens. T'sais? Le gars qui veut venir s'amuser un vendredi soir ou le gars qui veut venir compétitionner les fins de semaine, ces choses-là, c'est vraiment. Ça s'adresse à tout le monde. Là, il y a différentes catégories. Ça finit toujours par quelle catégorie tu veux courser. Le budget toujours rentre en ligne de compte. C'est souvent ça la meilleure chose. Mais ça s'adresse vraiment à toutes les. On a des demoiselles qui viennent courser, on a des filles, on a des petits garçons, il y a des petits juniors directeurs, il y a des juniors directeurs qui appellent. Il y a des voitures pour les enfants, ces choses-là. C'est vraiment. Ça commence à 6 ans jusqu'à 70 ans. Il y en a pour toutes les sortes comme pour la drague. Ça s'essaye en moto, en auto, en voiture de rue, en voiture comme moi, en dragster. Ça s'adresse à toutes les styles de gens qui veulent vraiment s'amuser. Puis c'est ça qui est le fun du drag, c'est que n'importe qui peut arriver, payer à la porte, ouais. Arrive avec sa voiture de rue, peut aller sur la piste de course comparativement aux autres disciplines de course. Ça s'est motorisé, ça s'est des motocross, après le motocross. Vraiment, la drag, c'est tout le monde qui arrive, veut s'amuser, faire une course, il arrive puis il peut courser. Qu'est-ce qui fait que l'accélération, je pense, est le plus beau sport? C'est vraiment un sport qui est familial, puis c'est avec des amis. Tu vas faire une course. Oui, des fois, il y en a qui vont dire l'accélération, c'est long. Des fois, c'est plate, ces choses-là. Mais ce que j'aime de ce sport-là, c'est que c'est vraiment un sport d'équipe et un sport d'amis. On fait une course, oui, on est tout seul dans l'auto, mais quand on revient des courses, quand on prépare la voiture, c'est vraiment toute l'équipe soit là. On se fait des barbecues, c'est vraiment un sport familial que n'importe qui dans les estrades, le spectateur peut venir nous voir. On n'a pas de cachette, ces choses-là. Donc, c'est vraiment un sport qui est le fun pour tout le monde. Il y a des journées d'exposition. C'est un sport qui peut faire toutes les sortes de voitures et toutes les sortes de gens peuvent aimer ce sport-là. Les gens à la maison, ils ont remarqué la belle voiture à l'arrière. On peut voir qu'il y a une école d'accélération aussi, si les gens veulent débuter. Oui, c'est oui, assez ça accessible. C'est nouveau de cette année. Cette voiture-là, c'est une voiture que, justement, en 2011, on avait eu un petit accident avec. Oui. Bon, là, on peut dire qu'on avait un gros accident. On peut dire que j'ai un accident à 200 000 à l'heure. Et on a décidé de la réparer. Bon, puis on a mis un V8 dedans pour que ça soit plus facile, moins d'entretien, ces choses-là. Et puis, c'est nouveau pour nous cette année. On est la première piste de drague au Canada. À vouloir tenter l'expérience de ça. On a déjà quelques cours de données. On débute ça, puis on va tenter de s'améliorer d'année en année, avoir plus en plus de voitures pour permettre aux gens de vraiment comprendre comment la drague fonctionne, comment être prêt,
Avec toute l'expérience que j'ai présentement, je pense qu'on est capable de faire une bonne école. Et puis vraiment, comment on sait quand on est assis dans une voiture comme ça, expliquer le feeling, expliquer que ça soit sécuritaire quand on course. Donc, on tente l'expérience aussi à Naperville Dragway de faire ça. Alors, Carl, c'est pas nouveau. Les sceptiques vont peut-être dire du côté du drag que c'est juste de la ligne droite, ça a l'air facile, mais il y a quand même une technique de pilotage qui se cache en arrière de ça. Ben oui. Que ce soit une voiture rapide dans le drag, il y a des voitures à 200 000 à l'heure, il y en a à 300 000 à l'heure, il y en a à 50 000 à l'heure, il y en a vraiment tous les modèles. Mais effectivement, tu sais, le drag, ça se fait vite. Donc, quand on est assis sur la piste de course et on s'apprête à décoller, c'est très important d'être prêt, d'être bien à côté, de focusser sur quoi qu'on va faire parce que dans notre coup à nous, 6 secondes plus tard, tout est terminé quand on course le quart de mille. Si on course du 8e de mille, 4 secondes plus tard, tout est fini. Ou que ça soit une voiture moins rapide, que ce soit 10 secondes, que ce soit 15 secondes, c'est pas comme du stock car qui va virer en rond, qui ont le temps de penser à leur stratégie. Du drag, non. Du drag, t'as une couple de secondes pour tout penser. Tout ce que tu vas faire, toutes tes manœuvres, c'est très important. Donc, c'est très important d'être bien concentré, de savoir où est-ce que tu t'en vas. D'où là qu'on voulait faire vraiment une école d'accélération pour montrer notre expérience à nous. C'est vraiment un but familial de vouloir faire ça, de vouloir notre expérience à nous. On a la piste de course, on a les voitures de course, on commence à avoir beaucoup d'expérience professionnelle. Donc, pour ça qu'on voulait faire une école de drague. Avec l'école vient aussi la discipline derrière cette technique de pilotage, notamment pour les départs, j'imagine. Bien changer de vitesse au bon moment parce que ça se passe extrêmement rapide, comme tu l'as dit. Tu peux nous expliquer les grandes lignes de comment ça fonctionne là, pendant 5-6 secondes. Là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la voiture? Ça, comme je vous dis, mettons, c'est une voiture très rapide, ça se passe vite. La première étape, c'est quand on réchauffe nos roues, ils appellent ça le burn-out. Oui. La première étape, c'est de faire un bon burn-out, de bien réchauffer les pneus. Si tu manques ton burn-out, tu fais un mauvais mouvement, tu vas être déconcentré tout le restant de la piste. Donc, vraiment, chaque étape de la course, c'est très important. Après ça, après le burn-out, bien se positionner dans la voiture, bien s'accoter. Tu sais, c'est toutes des choses très importantes. Ensuite, la manière qu'on va prendre les lumières, se stager, se pre-stager, comme qu'on peut dire en anglais, mais de la manière de prendre les lumières, de s'avancer, attendre chacun notre tour, d'être prêt quand on avance à la ligne, d'être bien à côté, d'être bien attaché. C'est toutes des choses, oui, on va dire, oui, ça prend 5 secondes de faire la piste, mais tout ce processus-là peut prendre, ça prend un certain temps, s'habituer, oui. Très important. Donc, c'est sûr, le commun du mortel, le gars qui course toutes les fins de semaine va être habitué. Mais souvent, qui sort le premier au bout de la piste, celui côté gauche, celui côté droit, c'est toutes ces petites choses-là qu'on veut montrer aux gens, aux compétiteurs, de comment faire le bon procédé, si on veut, pour faire une bonne course, puis surtout, toujours rester avec les éléments sécuritaires.
La routine aussi, est-ce qu'elle va changer si on fait un quart de mille, un demi-mille, un mille complet? Est-ce que ça va changer la routine? Parce que ça change quand même un peu le temps qu'on est passé dans ouais, la routine. Oui, ça va changer la routine. On peut dire non la routine parce qu'on aime ça, on voit tout le temps une routine. On aime ouais. tout le temps voir ça faire la même chose. C'est comme dans n'importe quoi qu'on fait. Ouais. On veut tout le temps avoir la même routine, ça devient plus facile, ça devient manuel si on veut. Donc, s'il arrive quelque chose, il arrive quelque chose de grave, c'est facile à faire. Ça sert au quart de mille ou au huitième de mille. Nous, dans l'accélération, c'est soit du huitième de mille, soit du quart de mille. OK. Fait que si on course dans l'huitième de mille, c'est sûr qu'on est moins rapide, okay. mais l'accélération se fait aussi vite. Souvent, c'est les setups de moteur vont changer, si on veut, ou les setups de traction, ces choses-là. Mais l'école de drague, c'est vraiment pour dire, nous, on veut mettre ça sécuritaire, on veut que le gars, le mec qui sort d'ici, vous dites, hey, j'ai appris ça. Oui, je savais pas ça. Même si ça fait longtemps que je course, j'ai appris ça, puis c'était le fun. Puis là, présentement, ceux qu'on a, les personnes qu'on a fait les cours, c'est vraiment des nouvelles personnes qui n'avaient jamais chauffé de voiture. Fait que le gars qui n'a jamais chauffé de voiture, qui n'a jamais eu de voiture de course, on va lui donner un certain cours. Le gars qui a déjà chauffé d'une voiture, il va apprendre à aller plus vite, à apprendre certains oui. trucs. Ça va être une autre sorte d'école qu'on va faire. Le sport d'accélération peut être pratiqué par n'importe qui. C'est pour ça qu'on a des courses de voitures de rue. Ici à Napierville, on présente des courses 5 fois par semaine, le mardi, le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Monsieur Tout-le-Monde peut venir avec son auto faire des essais sur la piste de course sans avoir peur de la briser, ces choses-là. On a des jours dans la semaine seulement que des voitures de rue. Dans la fin de semaine, parfois on a des voitures de rue, des fois on a des voitures de course. Mais l'accélération, c'est ça qui est le fun, c'est un sport que... C'est un sport familial, comme on peut dire, qui peut plaire à tout le monde. On peut venir, on peut s'asseoir, toujours en étant sécurité, toujours en étant sécuritaire sur la piste de course. Parlant maintenant du point le plus important, la sécurité, oui. parce que c'est sûr que c'est très important. Je t'ai entendu parler là, pendant une de tes réponses du fait que c'est important de savoir quelle voiture va sortir en premier, ensuite de la piste. Il y a tout plein de règlements comme ça qui font en sorte que la sécurité devient extrêmement importante. Oui, oui, la sécurité, c'est sûr, la sécurité première, c'est vraiment nous dans la voiture. Oui. De tout avoir les bons éléments de sécurité, le bon casque, les bons gants, le bon manteau pour le feu, ces choses-là, les extincteurs, toutes les bonnes ceintures, les bons filets. C'est notre sécurité en premier à nous, mais après ça, qui peut devenir dangereuse pour les autres. Si, mettons, ça somme, on n'avait pas de la bonne chose, on peut avoir un accident avec l'autre voiture. Donc, toute la sécurité, c'est vraiment pour tout le monde autour de la piste. Si le feu prend la voiture, si on a le bon saut, c'est tout en ligne de compte. La sécurité, c'est dans le drag, puis ça, c'est dans n'importe quelle course motorisée. C'est toujours la première chose qu'on veut aborder. La sécurité, c'est très important. C'est certain, d'où l'importance d'avoir une école puis de montrer, de transférer ton savoir aux gens qui veulent commencer ça. Et puis, justement, parlant de l'école, j'aurais une autre petite question par rapport à ça. Ça serait combien de temps que ça va prendre pour avoir une expérience complète, pour avoir les outils nécessaires pour vraiment commencer à faire de la course? Combien de temps ça peut prendre les cours? Ça dépend. Tu sais, nous, ça dépend les cours comme... Ça dépend vraiment de comment qu'on veut faire. Oui. L'expérience de la personne qui va embarquer dedans. C'est sûr que la personne qui va embarquer dedans, qui n'a jamais chauffé une voiture de course, ça va être, le processus est plus long. Oui. Mais nous, c'est vraiment donner une idée de base à quelqu'un que jamais à un moment donné, il veut upgrader, que ça va aller mieux pour lui, qu'il voit, puis il voit les bons outils en main pour que ça aille mieux. Ou sinon, quelqu'un qui est habitué de donner mon expérience à moi que j'ai eue. J'ai eu 2-3 accidents, on a eu des choses, j'ai eu beaucoup d'accidents. On fait beaucoup de runs, on fait beaucoup de courses dans une année. Donc, le feeling, il faut transmettre. Hey, s'il arrive ça, ça va faire ça. Si ça fait ça, ça va faire ça. Il faut faire ça à ce moment-là. C'est tout ça qui est en ligne de compte. Pour ça que des écoles, que ça, c'est n'importe quelle sorte d'école, on conçoit en mécanique. Cours de mécanique, on est mécanicien, on sait faire des cours, mais on se performe tout le temps, puis on change, puis des nouvelles idées, puis des nouvelles choses. Donc, c'est là qu'on est rendu.
Donc, cette voiture, c'est un 4 cylindres. C'est le 4 cylindres le plus rapide au monde. Donc, cette voiture, c'est un moteur EcoTech de GM, propulsé par un turbo, si on peut dire. On roule 65 livres de boost, donc beaucoup de force de moteur, ce qui équivaut environ à 1500 forces de moteur. Donc, comme vous voyez, beaucoup de choses, le monde vont dire, ça paraît comme très spécial. On a des intercoolers, l'air refroidi à l'eau. On met de la glace et on met de l'eau. Comme vous pouvez constater, il y a beaucoup de poids maintenant en avant de voiture. On course dans des catégories qu'il faut mettre du poids. Donc, pour que toutes les voitures soient égales, on vient d'aller une course la semaine passée. On était les plus rapides, donc on est allé en Floride et on a gagné. Donc, c'est transmission manuelle avec une cloche pour décoller, 5 vitesses. Il y a des poids à respecter dans nos catégories. Si vous regardez, c'est toutes des voitures en carbone. C'est des voitures que tout rentre en ligne de compte, comme on peut dire, la suspension, la direction, tout est vraiment important, le type de pneus, tout rentre en ligne de compte lors d'une course. Pour être à la perfection, il faut toutefois tout soit sur la coche, comme on peut dire. Donc, ce qui fait de nous les plus rapides au monde, on fait beaucoup de courses, beaucoup d'essais pour essayer tous les petits trucs, toutes les choses pour nous avantager à être capable d'être les plus rapides au monde. On est finalement dans le bureau de Top Gun avec le principal intéressé. Carl, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de la protection qui est mise à ta disposition alentour. Je vois que la cage est bien fixée ici par rapport au véhicule. Oui, c'est ça. Ça, c'est une. C'est la sécurité, comme on parle tout le temps, on parle toujours de sécurité. Ouais. Ils appellent ça un roll cage funiker. Tu vois ici, on est tous bien entourés en cas d'accident. Moi, ici, dans cette voiture-là, j'ai un siège moulé. On est tous moulés. Donc, elle est moulée à ma grosseur. Donc, si jamais j'ai un accident, ça l'empêche qu'on bouge. Tout est vraiment conçu pour que ce soit sécuritaire. On a des instincteurs. On a vraiment ici, j'ai deux instincteurs de 10 livres en avant dans la voiture. Après ça, le casque, on fait toujours des casques de sécurité, toujours plus possible. On a les ceintures, on a le filet ici pour empêcher que si jamais on a un accident. Tout est vraiment conçu pour avoir la sécurité. Puis comme tu peux remarquer, pas gros de place, pas gros pour regarder, mais vraiment, on est bien assis. Puis quand on descend la piste, on voit très bien en avant, contrairement à ce qu'on peut penser, même si on dit qu'on voit pas beaucoup. Mais quand on est bien assis, bien à côté, notre champ de vision est très bien. Comprendre l'évidence même de ce que je vais dire, mais tu ne fais pas seulement appuyer sur les pédales, contrôler le volant. Il y a quelques petites touches aussi que tu peux observer. Oui, comme on fait constater, il y a beaucoup de filage dans cette voiture. Il y a beaucoup de technologies. On a une suspension à l'air, comme je parlais plus tôt. On a toutes les switches. Il n'y a pas rien qui ne sert pas à quelque chose. Toutes les switches qui ont là, tout le filage que tu vois, ça a toute une fonction. Ici, le bras pour le parachute. Ici, c'est le bouton pour décoller, ces choses-là. Ça, c'est une voiture à cloche. Okay. Donc, quand je décolle, il faut que je pèse sur la cloche. Comme on peut constater, là, la transmission est enlevée. On est après à faire un ajustement de cloche. À toutes les runs, quand on a le temps, quand on voit des grosses compétitions, toutes les courses, il faut enlever la transmission. On replane la cloche, on replace la cloche, tous les ajustements à la place initiale pour avoir le meilleur résultat possible. Tu parlais des sensors au niveau du moteur. Est-ce qu'il y en a à l'intérieur ici pour s'occuper de la performance aussi? Oui, on les voit pas toutes, mais vraiment, oui, il y a des sensors. Il y en a partout. Il y en a sur la cloche. Là, ils sont démanchés, mais il y en a sur la cloche. Il y en a sur le shifter. On peut voir ici, le shifter, ça, c'est une transition manuelle. Donc, première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse, quatrième, cinquième vitesse. C'est vraiment, tout est en safety. Si on met le gaz au fond, quand on appuie la pédale au bout, on attend les clics-clics-clics. Ça, c'est des sensors. Aussitôt qu'on lâche le gaz, bien, le moteur va arrêter. C'est vraiment une voiture. Toute la technologie est là. Quand il sort des choses nouvelles, sauf qu'il sort quelque chose de nouveau, bien, on la jette, on l'essaye pour avoir les meilleures courses possibles pour être le plus rapide possible. Pour tous ceux qui veulent essayer leur voiture, tous les passionnés des autos, que ce soit des petits-enfants, que ce soit des grandes personnes,
Vous pouvez facilement venir nous voir à toutes les fins de semaine. On est ouvert ici à Navierville. Et nous, avec notre voiture de course, on course plusieurs fois par année. Vérifiez notre site Internet, ces choses-là. Et ça va vous faire plaisir de pouvoir vous accueillir et tout nous expliquer comment ça fonctionne et les courses et notre auto. On a fait pas mal le tour de la voiture. Je pense aussi qu'on a fait pas mal le tour du sujet. Je tiens à te remercier de nous avoir reçus ici à la Pierre-Belle-Bragoué. Et puis on te souhaite la meilleure des chances pour les compétitions à venir. Merci, vous aussi.